Salut Internet, c'est Kamoff. Aujourd'hui, je suis en présence de mes amis Bastien. Aucune réaction. Attends, coupe pas. Et je suis en présence de mon poteau Soso BDN. Voilà, là ça va, on a un minimum de réaction. Donc aujourd'hui on va faire une petite expérience sociale. Voilà, on va aller dans un endroit, on va dire, où il y a eu beaucoup de vols de voitures ces derniers temps. On va laisser la clé sur la voiture, sur la portière, pour voir si éventuellement quelqu'un viendrait voler la voiture ou quoi. Un petit bonus, on va mettre notre ami Soso dans le coffre, d'accord. Désolé gros. On va le mettre dans le coffre, d'accord, pour voir si jamais on le perd de vue ou si jamais il y a quoi que ce soit, il est dans le coffre et puis au moins la personne, quand elle fouillera la voiture, elle verra qu'elle n'est pas seule et ça la fera changer un peu d'avis. Bastien, je l'ai pris aujourd'hui avec moi parce qu'on a besoin d'un caméraman et celui que j'ai actuellement est vraiment pas bon. Je tiens à le préciser et il est absent. Donc Bastien sera notre caméraman aujourd'hui. On va aller sur les lieux, on va poser la voiture, on va laisser les clés sur la portière et on va voir ce qui se passe. Donc regardez cette vidéo et on se retrouve à la fin pour une conclusion. C'est bon les gars? Ils n'ont pas à me dire. Bon, allez, on y va. Donc on est sur les lieux, je suis avec le poteau Bast qui va aujourd'hui faire le rôle du caméraman parce que le caméraman est absent. Et Soso va jouer le complice, ça va être la personne qui va être dans le coffre, hein, voilà, en espérant. J'espère qu'il va pas rester trop longtemps parce qu'il y a des gars qui viennent, il va rester toute la journée peu cher. Donc on va laisser la voiture comme ça un peu mieux avec les clés sur le contact, sur la portière. Et Soso il restera à l'arrière et après on verra comment ça se passe. Et j'espère vraiment que personne ne volera la voiture parce que ça serait grave qu'il vole la voiture avec... Mais bon, tu es prêt à prendre des risques ou pas? Bon, on va te mettre là-dedans. Viens voir, il n'y a pas trop de place, mais bon. Tu seras peut-être à l'aise là, si on pense. Ouais, c'est bon, t'inquiète pas. Ouais, ouais, oui, tu seras à l'aise. T'inquiète pas, je rentre. Eh oui, allez. Au pire, si je meurs, je défleure avec moi. Voilà. C'est bon. T'as quelque chose à dire à la caméra ou pas? J'espère qu'on va se revoir. J'espère aussi. On est venu ici, pourquoi? Parce que il y a tout le voisinage qui est ici. Il y a plusieurs voitures qui ont été volées la semaine dernière et le mois dernier aussi. Donc, du coup, on va provoquer un peu le truc pour voir si ça se reproduit et éventuellement voir qui c'est quoi. Si il y a quelqu'un qui vient à voler la voiture, hein, on a prévu Moussa Razé. Et assiette, s'il y a un mec qui vole la voiture et qui ouvre le coffre, au moins on est prêt à lui lancer un truc dessus, tu vois. Donc Soso, oui. On fait ça frangin. On va dans la voiture maintenant frangin. Allez c'est parti, on y va et à tout à l'heure. C'est bon. Hein? Vas-y on s'appelle, c'est le problème. Vas-y. À tout à l'heure le sang. C'est bon. Ciao frangin, à tout à l'heure. Maintenant on va se caler dans la voiture, on va se mettre un peu plus loin là-bas. Et on va voir si quelqu'un... Putain les clés. Si tu me passes pas les clés, bah sinon ça va pas le faire. Ça fait un petit moment qu'on est là, j'envoie des messages à Soso pour voir s'il va bien. Mais il a l'air d'aller bien. Mais bon, on va pas rester là 20 ans. Le soleil commence à se coucher vraiment. Là, il commence un peu à faire nuit. Il a dit regarde des vidéos sur YouTube en attendant. Dans la vidéo, mettez un gros pouce bleu pour Soso parce que ça fait presque une heure qu'il est dans la voiture, miskin. Il habite à lui. Pourquoi il tourne autour des voitures? Gros, tu crois que c'est lui? Non, gros, s'il voit la voiture, j'ai jamais vu ça de ma vie, frère. En tout cas, il regarde ce qu'il y a dedans. Je vais envoyer un message à Soso, je vais dire qu'il y a un mec qui tourne toute la voiture. J'ai dit à Soso. Qu'il croit pas que c'est nous, tu vois ce que je veux dire quand il m'entend? C'est quoi le délire? Est-ce qu'il est jeune à côté, frère? C'est quoi ce délire là? Ah non, non, ça va. J'ai dit à Soso qu'il bouge pas. Bingo, non. Est-ce qu'il va prendre la voiture ou est-ce qu'il va juste fouiller dedans? S'il fouille dedans, qu'il ouvre le coffre, je vais envoyer un message à Soso. S'il démarre la voiture, on le suit. S'il démarre pas la voiture, je dis à Soso qu'il s'il ouvre le coffre, il est en voie d'entrée l'assiette. Tu vois ce que je veux te dire ou pas? Je vais l'appeler. Il se taille avec la voiture, gros, Je vais parler sur le suivre. Allô, allô? Ouais, Soso. Oui, les gars. Oh, c'est pas nous, hein, dans la voiture, il y a un mec, hein. J'ai compris. Ne t'inquiète pas, j'ai préparé la moussa rasée. Si tu veux le bien. Non, c'est chaud là ce qui se passe, c'est chaud. Ce qui est en train de se passer, c'est une truc de fou. Je sais pas où il va le mec, gros. Je sais pas où il va, frère. Il y a du monde de partout. Là, on est pratiquement vers le pic de l'étoile. Le
Gros, ça fait un quart d'heure qu'on le suit, frère. Ça fait un quart d'heure. Ouais, mais je sais même pas s'il a pas pisté que. Mais on peut pas le bloquer, frère. Je peux pas le bloquer en plein milieu de la route ici, je peux pas. Faut faire les choses intelligemment. À un moment donné, il va bien s'arrêter quelque part, le mec. Ouais. Non, il va faire. Il est rentre au pic de l'étoile. Je vais toujours. Te casse pas la tête, le mec, il a pris la voiture, à mon avis, il l'amène au pic pour la fouiller tranquille, pour qu'il y ait dégueu, gros. Parce que là où on va, il y a vraiment personne. Là, on le suit de loin, frère. J'éteins les feux et tout, tellement. C'est bon. Si le coffre il s'ouvre, c'est pas nous, frère. Tu lui envoies d'entrer le truc dans la tête et tu te tailles, gros. Et nous, on arrive. Perdu, gros. Il est là. Pourquoi il vient jusqu'au pic de l'étoile pour s'arrêter devant une maison, ce gag? Qu'est-ce qu'il fait? Je vois rien de là. Attends, j'arrive les feux. Qu'est-ce qu'il fait? J'arrête le contact. Ils ont pas vu ce gag. Ah, ils sont sauvés. Il va avoir le coffre, il ouvre le coffre. Essaye. Essaye de l'attraper, s'il te plaît. Essaye de l'attraper. T'es parti vers où tout à l'heure, quand tu l'as vu? Je sais pas, le sang, c'est noir dans la colline. Oh, mais t'as lâché, frère. Il t'a largué, frère. Putain, c'est quoi? Je suis allé dessus avec la voiture. Je suis allé dessus avec la voiture quand il est sorti. Et quand je suis allé dessus, gros, j'ai pas voulu le quiller. Normal, c'est normal, frère. Ouais, du coup, il y avait ça, gros. Il est passé entre ça et la voiture. Alors, je réponds à tous les gens qui vont dire, ouais, vous l'avez incité à voler une voiture. Je réponds tout simplement à ces gens-là que si demain vous laissez votre fenêtre ouverte et qu'on vous cambriole, ben vous allez pas dire que vous avez incité un cambrioleur à entrer chez vous parce que vous avez laissé la fenêtre ouverte. Déjà, la sentence, c'est qu'il a plus de voiture. Maintenant, si on le retrouve, je te garantis que je le mets en caleçon. Je le mets en caleçon et voilà, il faut le retrouver là. Si on le retrouve pas, je suis dégoûté. De toute façon, ben, ça sert à rien de filmer là. Si on le trouve, tu refilmes ici. Là, ça sert à rien, on filme pour rien. Ça sert à rien. Donc, comme vous avez pu le voir, on a fait un petit bonus dans la vidéo. On avait pris de la mousse à raser et des assiettes pour pouvoir entarter le mec. On est vraiment tombé des nues de ce qui s'est passé. On n'était pas au courant que ça allait se passer comme ça. Soso, je pense que tu as eu un peu la pression, non? Ouais. Ah, tu as un peu moins d'éther qu'à l'intro. À l'intro, il était content. Là, il est un peu plus. Et voilà, Bastien, heureusement qu'il était là aussi pour nous filmer et pour nous suivre. On n'a pas, malheureusement pas pu rattraper cette personne. Hein, j'aurais vraiment aimé la rattraper pour pouvoir ne serait-ce que le mettre en caleçon avec le froid qu'il fait et puis l'arroser un peu avec de l'eau. Enfin, tu vois, j'aurais fait un truc de fou comme on a la manière de faire, comme on a l'habitude de faire. Mais bon, là, on n'a pas eu l'occasion de le faire. J'espère que la vidéo, dans tous les cas, vous a plu. Pour nous suivre, on a un Snapchat. Alors nous, c'est Kamoff, C-A-M-O-F-F. Il y a Soso qui a son Snapchat aussi. C'est quoi ton Soso CRF500. On va le mettre en dessous, là, comme ça, vous pourrez le rajouter. D'ailleurs, il mérite vraiment qu'on le suive parce qu'il a pris des risques de fou. Et on a aussi notre petit Basse qui nous a sauvé aussi avec la caméra. C'est quoi ton Snap, Soso? Je m'en rappelle plus. Donc il s'en rappelle plus, mais on va le mettre. Il sera en dessous. On va le mettre aussi là. Je les mettrai pour lui et pour lui. Vous kiffez nos vêtements, il y a des pulls en gris, il y a aussi des casquettes qu'il a mis à l'envers. Donc si vous voulez des casquettes aussi, vous pouvez aller prendre sur www.futuratech.com. N'hésitez pas aussi à rejoindre notre page Facebook comme en dessous, Kamoff tout simplement. Et je vous dis à mercredi prochain pour une toute nouvelle vidéo. Ça sera peut-être une expérience sociale, un piège, un sauvetage animalier, on sait pas. Mais on se retrouve dans tous les cas mercredi à 18h sur notre chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo. Les gars, à mercredi prochain. Bah, il reviendra plus. Lui, c'est la dernière fois que vous le verrez. C'est la dernière fois que vous le voyez, lui. À mon avis, il va plus jamais revenir. Ah, reviens. Bon. Prochaine vidéo, je vais là aussi. Bah, ça va. Alors, à la prochaine, mercredi 18h. Ciao, l'équipe. Jusqu'à la fin de cette vidéo, je laisserai toujours un petit message comme ça, histoire de vous retrouver un peu à la fin et de voir qui regarde la vidéo jusqu'à la fin. Donc si vous avez regardé la vidéo jusqu'à la fin, c'est-à-dire jusqu'à maintenant, n'hésitez pas à laisser un commentaire dans les commentaires YouTube ou Facebook, peu importe là où vous vous trouvez, et mettez à la fin du commentaire on va mettre un petit mot pour qu'on se reconnaisse. On va mettre